Trois fois par semaine, Adama Wagi s'entraîne sur ce terrain avec l'AS Bondy. Ce même terrain qu'a foulé Kylian Mbappé pendant plus d'une dizaine d'années. Adama s'est d'ailleurs déjà entraîné avec le prodige des Bleus. Lui dans les cages, Mbappé à l'attaque. Quand il venait ici, il s'entraînait avec son père. Et des fois, je m'entraînais avec lui pour qu'il s'améliore plus souvent dans ses frappes, dans ses tirs et dans ses feintes aussi. À Bondy, tout le monde connaît la famille Mbappé. La mère, ancienne joueuse de handball. Le père, entraîneur et ancien joueur de foot. Dans cette ville populaire de banlieue parisienne, le football, c'est beaucoup plus qu'un loisir. La AS Bondy attire un grand nombre de recruteurs. Antonio Riccardi a été l'entraîneur de Mbappé pendant près de 4 ans. On a la chance d'avoir des enfants qui partent en centre de formation tous les ans. C'est vrai qu'on a un vivier qui est immense. Et on a beaucoup de joueurs de qualité qui viennent. Quand ils descendent ou qu'ils sortent de chez eux, ils jouent au foot ou même dans la rue. Donc il y a cette forme de football urbain qui se développe. Donc ils ne s'arrêtent pas de jouer, ils vont retourner jouer là-bas, ils vont retourner jouer en bas de chez eux et ainsi de suite, ils jouent quasiment toute la semaine. Et c'était le cas de Kylian, c'est-à-dire qu'il jouait tellement qu'il est venu ici, il avait énormément de qualité. Sur ces images de 2011, le terrain est encore en sable et Mbappé n'a que 13 ans, mais le talent est déjà là. Antonio Riccardi se souvient bien de ses exploits, comme lors de ce match où son équipe menait d'un but seulement. Il a récupéré le ballon là-bas, je crois, au niveau des 40 mètres. Il a dû dribbler 5 joueurs, il est arrivé devant le gardien, il a feinté, le gardien il est tombé, il lui a mis un piqué au-dessus, il avait marqué 3-1, c'était réglé. Et contre l'Argentine, il a récupéré un ballon à 20 mètres, il est parti tout seul, il a été causé le premier pénalty. Après l'entraînement, Adama quitte Bondy Sud, longe la Nationale et traverse le canal de l'Ourcq pour rentrer chez lui. On est à des milliers de kilomètres de la Coupe du Monde. Les trophées s'accumulent pourtant déjà dans la chambre des parents d'Adama. Il m'a donné un trophée d'honneur. L'un de ses objectifs, se retrouver dans ses cages face à Kylian Mbappé. Je suis un gardien et j'aimerais bien jouer contre lui et de voir s'il a progressé dans sa carrière. Quoi. Et on verra que le meilleur gagne. Quoi. En attendant, ce soir, la Coupe du Monde est à la télé. Après le match, Adama retournera dans la rue pour s'entraîner encore un peu plus.